Father. Ça faisait longtemps. Il est temps d'achever ce jeu. Bon, je sais pas si on va l'achever aujourd'hui, mais... il est temps d'avancer. Alors... je sais plus... Dites-vous... où je m'étais arrêtée, parce que ça fait un moment... Ah oui, c'est là. Code mémo. Les powers du premier étage à l'ouest... Est, pardon. Les chandeliers dans le hall. Les poupées rouges dans la pièce des poupées. Des poupées. Et les paintings dans la reception room. Mais je l'avais trouvé quand, ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce langage? On va voir si je me souviens. Tu te souviens de quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, les poupées rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les chandeliers du hall. C'est cela, là? Je pense que oui. Avance, diantre! Bourgandide! Il y en a 4. Non, je voulais pas. Je voulais pas aller par là. Pardon. Petit coup de... de stress. Alors, je crois que c'est cela qu'il faut compter. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 7 barrels. Est-ce que c'est là la réception room? Je ne suis pas sûre. Là, il y a deux tableaux. Bonjour. Tu ne dis rien sur ces bonhommes? Il y en a un qui est armé, hein. Je dis rien, mais... Et où est-ce qu'il faut que je rentre ce code? Non, arrête. Arrête de vous voir, allez bouffer, quoi, ça suffit. C'est fermé. Ah, je ne connais pas le code pour l'ouvrir. Hein? Mais c'est peut-être relié à la note que j'ai trouvée. Ah. Ok, alors, c'était dans quel ordre? Attendez, je me rappelle plus. 7. 4. 8. Et 2. Est-ce que c'est ça? On a ouvert le bidelouche-miche. Ah, ça contient les affaires de maman. Maman qui louche, grosse. Ça sent comme maman. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Il y a une lampe ici. Ah, oui. Il y avait un endroit où j'avais besoin d'une lampe. Et putain, je sais plus où c'était. D'accord. Bon, on a une lampe, parfait. On va pouvoir avancer. Qu'est-ce que c'est? C'est... le parfum de maman. Ça sent la vieille morue. Est-ce qu'il travaille encore? Maria. Oula, ça, il se passe des trucs. Docteur? Hein? Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Papa? Ouh, la maman qui arrive. Aya, tu es là. Ton père ne t'a jamais dit de pas aller dans le basement? Maman! Ne regarde pas, maman. Tu vas avoir des trucs très crades. Je le savais. Il me trompe avec elle. Je ne peux pas le croire. Cette fille, on l'a ramassée dans la rue. What the fuck? On l'a trouvée dans la rue comme ça, vers un sac poubelle. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Ouh. Est-ce que par hasard, le papa n'aurait pas buté la maman parce qu'elle devenait un peu trop chiante, un peu trop jalouse? C'est chaud, stupide. Qu'est-ce qu'il a jeté? Le parfum? Parce que c'est lui qui lui avait offert le parfum. Attention, Nao Sherlock Holmes. Maman était tellement bien. Mais ce jour-là, elle est devenue une personne différente. Tu m'étonnes. Son parfum. Je vais le remettre vers ses affaires, mais... Elle l'aimait tellement, c'est bien. Après ça, elle l'avait eu à son anniversaire ou je sais pas quoi. Je pense que c'est un bon charme. Ah, je devrais le prendre comme un espèce de talisman pour me protéger, un truc comme ça. Ok, maman. De toute façon, ta maman a pas bien le choix. Peut-être qu'en haut, elle te dit... Petite conne, rends-moi mon parfum. Mais bon, du coup, tu l'entends pas, donc bon... Ok, c'était où? J'avais besoin d'une lumière. Ah, c'était vers le chien. Là, cette fois, tu peux aller dans la cafétéria. J'espère qu'il va pas me bouffer la gueule.
coucou. Il n'y avait pas une trappe? Ah si, là, voilà. C'est si j'avais besoin d'une lampe, non? Ah non, c'est vraiment noir. Oh, la lampe. Putain, elle est vraiment un peu arriérée quand même, Aya. Hein. On dira ce qu'on veut, mais... Oh. C'était quoi? Un trou dans le mur. Je peux pas passer par là. Mais peut-être que Snowball peut. Oh oui! J'espère qu'on va contrôler Snowball. Ça serait tellement génial. S'il te plaît, Snowball. Oh oui, on contrôle le lapin. C'est génial. C'est super. Alors, je ne peux pas regarder les trucs avec lui. Par contre, il y a un truc ici. Later all. Oh, Mazal Tov. Snowball va se faire bouffer le cul. Non, c'est bon, tout va bien. Ah merde, du coup, il s'enfuit. Reviens, espèce de petit con. Oh, la lumière s'est éteinte. Pourquoi ça marche plus? S'il vous plaît. Succès de verrouillé, c'est juste derrière toi, sans deck. Ah, il y avait quelqu'un derrière moi. Ou c'était juste mon imagination. Ah, oui. Bon, par contre, mon lapin s'est barré. On en parle? Snowball, putain de merde! Oui, il est là. Parfait. Snowball se relaxe. Snowball se relaxe. D'accord, mais mon truc, il est où, moi? Ah, mais non, mais je l'ai. Lighter Hall. Ok. Fill the lighter with all. Oui. Ouais, j'ai un briquet qui marche. Oh, je vais pouvoir cramer le truc qui était je sais plus où. L'espèce de gros tas d'immondices là. C'était là. Oui. Oui. Peut-être que je pourrais le cramer. Oui, comme dans le bouquin. Brûler tout sur mon passage. Oui, je vais le brûler. Oui. Commettons un meurtre. Mais comment? Eh ben oui. Utilise l'huile et le feu. Bam. Oh putain, la faciale. Ce boum à la Michael Bay, quoi. Ça brûle. Ça brûle. Ça fait mal. Et t'es mort. Ah non. J'ai dû vous péter les oreilles à gueuler comme une truie comme ça. C'est bon, c'est nettoyé. Oui. Ah. Un petit coup de piaf. Alors. Le laboratoire de mon papa. Bah, c'est pas là que je voulais aller. Taxidermy room, c'était marqué. Oh. Bah, je peux marcher dessus, mais elle dit rien. Des objets, enfin des outils bizarres. Oh. Ça, tu te poses pas plus de questions que ça, ça t'émeut pas, quoi. C'est de... Non, tout va bien, quoi. D'accord. Bah, pourquoi pas, hein. Oh. Genre. J'ai une petite bouteille avec un œil dedans. Je suis très très contente. Oh! Il a bougé les yeux, je l'ai vu! C'est... Je vais dire un truc dégueulasse. Nani! Alors ça, je trouve ça pas très très drôle. Donc ça suffit. En plus, j'ai même pas dit ma blague encore. Calme-toi. C'est les enfants... C'est les conceptions de maman! Maman a oublié de mettre une protection. Bon bah j'ai un truc avec des yeux. Je suis très très heureuse. Oh Maria. Maîtresse. Oh maîtresse. You're wounded. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous êtes blessée peut-être. Ah mais tu vas bien. Excuse-moi. Enfuis-toi quelque part où tu pourras être
En sécurité, c'est dangereux par ici. Mais où est papa? J'ai entendu son cri d'ici tout à l'heure. Ah, je dois sauver le docteur. Oh, ok. Ouf. Tu ne peux pas y aller comme ça. Mais, Maria, qu'est-ce qui est arrivé à papa? Le docteur, il sur in. What? Sa femme, elle. Sa femme? Ma maman? Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Maria! Maria est tombée dans les pommes. Super. Putain, j'ai ça, le screamer, ça m'a fait peur. Vous encore? On dirait que ton père est parti par là, à travers le labyrinthe. Est-ce que c'est ce qu'a vu Maria? Ma mère est passée par là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dites pas que c'est la malédiction. Si ça confirme nos suspicions, je sais pas quoi. Ok. Quel mec bizarre, oui, on est assez d'accord là-dessus. Bon, très bien. Est-ce que, Maria, tu veux un œil à bouffer? Je sais pas, peut-être que ça te fera du bien. Y a rien du tout ici. Bon, devant nous. Salut, Maria. Papa! Maman, gros bobs qui louche! Elle est revenue. Mais, maman? Est-ce que c'est toi? Attends! Ah, on a changé de tête, dis donc. C'est pas possible. Est-ce que c'était vraiment maman? Elle m'a tellement manqué. Mais c'était maman. Est-ce que c'est ça, la malédiction, c'est ça? Haven't you noticed? Est-ce que tu l'as remarqué? Mais putain, le mec, il sort d'où, quoi? Sérieux? J'étais cachée. Ah, cette tragédie, cette tragédie qui a créé le pouvoir de la malédiction de ta maman, la balise de ton papa. La balise s'est transformée en malédiction, et elle pourra s'arrêter que quand ton père mourra, je sais pas quoi. Ça ne peut pas être maman qui fait ça. Tu ne réalises pas. Si, c'est ta mère. Ça ne peut pas être vrai. C'est ce que tu penses vraiment? Parce que maman aime papa. Elle ne ferait pas ça. Et il sait mon retour. Blablabla. Maman n'était donc pas heureuse. Bah si elle le trompait, enfin si lui la trompait, non je pense pas quoi. Ah, je peux pas croire qu'elle veut lui faire du mal à papa. Mais peut-être que maman n'aimait pas papa et Maria. Non, sans déconner. Ça peut pas être vrai, mais... Mec, va-t'en avec ton putain d'accordéon ou je sais pas quoi. Ta musique est très forte, c'est chiant. Est-ce que tu veux connaître la vérité? J'ai perdu un putain de tympan. Est-ce que c'est vrai que maman déteste papa? Ça ne peut pas être vrai. Elle me l'a promis. Maman ne peut pas oublier ses promesses. Oui. Mais attendez, moi je voulais fouiller. What? On vient de me foutre un coup de feu au cul ou qu'est-ce qui vient de se passer là? C'était quoi ce bruit? Le petit coup de cravache qui va bien. C'est crépi, mais c'est joli. Ah bah oui, un cadavre dans une capsule, c'est crépi, mais c'est joli, je suis d'accord. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ah mais toi, tu as bougé? Il a bougé ses bras. Très bien. Barrons-nous. C'est quoi cette merde, là? Où est mon corps? C'est une tête. Hic! Est-ce que ça serait pas le cadavre qui a bougé ses bras, là? Je pense bien, hein. De toute façon, je peux pas examiner les corps, là, elle veut pas. Tu veux pas regarder sous le drap? Ça peut être très drôle, hein. Ah bah tiens, il a décidé de venir tout seul comme un grand. Ok, je vais l'amener à sa tête. Je vais l'amener à sa tête. Viens là. Headhunter. Est-ce que c'est verrouillé? Je l'ai trouvé. Je crois que t'as mis la tête dans le mauvais sens, hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Merci, mademoiselle. Très bien, tout d'une journée parfaitement normale, hein. J'ai une gemme, oui.
Qu'est-ce que c'est que cette chose? Il pue, qu'est-ce qui se passe? Un vieux monsieur... Putain, mes succès me cachent les trucs, dégage! Un vieux monsieur murmure dans sa barbe. Oh. La malédiction, que comme la femme l'avait dit, jamais paralysé sa vraie nature. Cette femme a créé un démon, elle est folle à cause du docteur. Mais peu importe, on s'en fout, je suppose. Ok. Attends, on est où, là? Cette maison est chelou, quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. On est dehors? Ah ouais, on est sur une sorte de balcon, en fait. Une barricade bloque le chemin. Ok. C'est quoi ce... Ah non, c'est genre des bouteilles de vin okay, qui ont pété par terre. C'est un vieux dégobit, je sais pas quoi. Ah mais du coup, je peux pas passer là-bas, quoi. C'est quoi ce bruit? Il y a eu... On vient de me donner une fessée invisible encore. Hein. Ça, je dis rien, mais... Il y a des bruits chelous, quoi. Matt Fraser, une histoire sadomaso. Comme on les aime. Oui! À bout d'échelle, j'en avais besoin. Je ne sais plus où. Il manque une section. Mais j'ai un bout d'échelle. Dans mon cul, ça tombe bien. Yay. Ça a pas l'air hyper safe quand même. Hein. Oula, attendez. Attendez, calmez-vous. Quelque chose brille. Ah, faut peut-être que. Je crois que j'ai pété le game. Comme ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et c'est... Ah. J'ai une mini tronçonneuse. Mais tout va bien. Ah, je suis nostalgique. Ça me rappelle que mon père... Il m'avait engueulé parce que je jouais avec. Je suis une enfant qui joue avec une tronçonneuse, mais tout va bien. Oh, je vais tuer des gens, oui. Aya, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Papa. Bah, désolé. Oh, je vous fais ma propre histoire, hein. Rien à foutre. Ce n'est pas un jouet, c'est un dangereux outil. Tu comprends? Tu ne dois plus jouer avec ça, comme ça. Désolé, papa. J'espère que je suis heureux que tu sois pas blessé au moins. Bon, je vais le mettre quelque part où tu pourras pas l'atteindre. Et t'essaieras pas de le trouver, ok? Désolé. Désolé, papa. Pourquoi on a adopté cet enfant, putain de merde? Oui! Vroom vroom. Ah oui! Je vais pouvoir dégommer des trucs et tuer des gens. Ouais, j'ai une gemme. Du coup, je peux détruire tous les... Je sais pas si ça sert à quelque chose que je fasse ça. Ouais, je casse tout. Est-ce que je peux donner un petit coup de tronçonneuse à ce moment-là ou pas? Oh, je peux pas sortir ma tronçonneuse ici. C'est nul. What? Pardon? Il y a quelque chose qui m'a attrapé le pied. Enfin, la jambe plutôt. Non! Je dois m'échapper. Attention, c'est la tension. J'appuie sur des boutons. C'est attraper le pied, mais il y a une musique toute tranquille derrière. La la la. Toum, toum, toum. La musique était pas très de circonstance, mais bon. Faut pas buter le chien. Mais what, attends, c'est qui vous? Ah non. Ça lui faisait une gueule bizarre avec le point d'exclamation. Bienvenue à la maison, madame. Elle vient de perdre son bras. Mais tout va bien, hein. Bienvenue à la maison, madame. Et toi, tu me dis pas bienvenue à la maison. Oh, le chien s'est barré. C'est complètement dévasté. Putain, les boules, ça suffit. Calmez-vous, quoi. What? Attends, il y en a une qui s'est barrée. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Elle est où? Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir ces vidéos. Et moi je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Dao. Salut.